Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo quotidienne. Je vous rappelle, sur GLG Vidéo, c'est une vidéo tous les jours pour la Marabout Corp. On achète et on teste des produits AliExpress ou chinois et on regarde par rapport à ce qu'ils nous ont promis. Et bien, quel est donc un petit peu notre niveau de satisfaction? Douille ou pas douille? On s'en bat pas les steaks parce qu'on veut savoir. Et aujourd'hui, je vous présente un câble. Vous n'êtes pas prêts? Parce que le câble, il est fou. Et pourtant, il y a cette petite odeur de douille, cette odeur de poudre qui fait que, malheureusement, c'est pas parfait. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en... Non, parce que prendre une douille en photo, c'est bien, mais prendre une douille en vidéo, c'est mieux, puisque c'est ma deuxième chaîne. C'est les... Voilà, la Régie Review, c'est... Voilà, et là, c'est les deux. Allez, débrouillez-vous et découvrons un peu ce câble qui est étonnant, avec un C comme cheval. Aujourd'hui, je suis pas mécontent de vous proposer ce câble. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes sur AliExpress, vous recevez des mails, des promos, la page, vous voyez une promo, vous voyez un câble, vous dites, ce câble, il est juste incroyable. USB type C, ok, 120 watts, ok, un câble d'une extrême qualité qui peut enquiller du 6 ampères, 20 volts. En plus, le petit argument choc, c'est cette prise USB type C que tu vas pouvoir orienter à 180 degrés. L'argument fou, encore une fois. La prise USB, qui est dingo, elle est en métal. Je n'ai jamais vu de prise USB comme ça, ok? La petite attache ici pour enrouler tes câbles. Alors, c'est du cuir de bouteille, hein, pas de l'évian. Hein. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympathique. Et tu te dis, ouais, le câble, il est quand même plutôt sympa. Et tu vas voir, il y a encore un petit truc en plus quand je vais le brancher. C'est-à-dire, voilà, je sais comment tu fais. Ah. Voilà. Bon, 120 watts, ok, pour recharger vos appareils, c'est incroyable. De la data, de la charge. Un produit branché en USB sur un MacBook? Non, c'est photoshopé, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de prix de plus USB depuis bien longtemps. Donc, USB vers USB type C, 120 watts, câble de 6 mm, charge rapide, incroyable. Une promo chez vous à 2,29€, sachant que moi, quand je l'ai acheté, en plus, comme je suis en Asie, donc je paye hors taxe, je paye 1,75€, quelque chose comme ça. Enfin, le produit, il est fou. Pour vous donner un peu une idée, on va recharger, parce qu'on va proposer, donc j'ai pris mon gros chargeur Ugreen, c'est le plus gros que j'ai, qui charge à 120 watts, 160 watts, mon ami, voilà. Donc quand je branche ma batterie externe, comme ça ici, donc c'est la batterie, je sais plus quoi, charge, voilà, parce que c'est le seul produit que j'ai qui charge à plus de 60 watts, au-delà de ma boue. Donc quand on branche notre batterie dessus, on voit bien qu'on charge, nous, à 91 watts en USB type C. Ok, donc là tu dis c'est pas mal, on enlève notre produit ici, on branche notre prise USB. Normalement les plus attentifs d'entre vous ont déjà, voilà, subodoré. Bon, premier truc qui est là, c'est la LED qui s'allume au bout du dossier là. Voilà, donc là ça s'allume en bleu. C'est pour dire que c'est branché. Moi, juste ça, le truc qui tourne comme ça avec le truc en bleu. Et ben voilà, incroyable. Je le mets directement dans ma batterie. Ok, tac, ici c'est bon. Et là, la charge se met en route. Et première chose qu'on peut voir, c'est que... Alors déjà, ça charge. Ok, 14, 17, 1, 16, 17 watts. 17,10. 17, 10, 17, 17, 5, 17, 10, 10. Eh oui, on ne peut charger qu'à 17 watts. Pourquoi? Parce que c'est une prise USB A. Ça, c'est la prise USB type C. Ça, c'est une prise USB A. Et le gros problème des prises USB A, c'est qu'on ne pouvait pas délivrer beaucoup de puissance entre 20 et 30 watts maximum dans les dernières générations. D'où l'intérêt de passer en USB type C. Donc, technologiquement et au niveau de la norme, la prise USB A ne peut pas délivrer plus de 30 watts. Donc là, on a 17 watts. C'est complètement cohérent. Pour deux choses. Un, mon chargeur, il a beau faire 160 watts, vous regardez surtout au chargeur, il y aura bien marqué que sur la prise USB-A, généralement, on ne peut pas délivrer plus que 22 watts et demi, 25 watts. Les fabricants n'ont aucun intérêt à vous mettre sur la prise A 120 watts, puisque le câble n'est pas capable de le prendre en charge. Numéro 1. Numéro 2, la prise USB-A, parce qu'il y a de l'électronique dedans, malgré tout ce que vous pensez. Il y a quand même de l'électronique dans le câble et ils se reconnaissent entre eux, les chargeurs, les batteries, les machins. Voilà, ils disent « Ah, USB-C, ah, mais le côté USB-A bride automatiquement la puissance. » Donc, le chargeur n'envoie pas de la puissance. Le câble ne serait pas capable de le prendre. Donc, notre batterie, en bout de course, arrive à 17 watts.
1,1. Ouais, bon, ouais, 17 watts, quoi, t'auras bien compris. Donc, douille ou pas douille? Eh ben, je suis mitigé de la douille. C'est le cas de le dire. Non, on s'en bat. Douille ou pas douille, on s'en bat pas les steaks. On invente des trucs. Le format évolue. Bon, est-ce que le câble, il est quali? Incroyable. Il est incroyablement quali. Avec le truc en métal, le truc que tu peux, voyez, que tu peux rotationner comme ça, la LED qui s'allume, le câble qui est capable d'enquiller 6 ampères. Incroyable. Les fiches en métal et tout, c'est trop beau. C'est, pour le prix, c'est vraiment une très bonne affaire. Par contre, au niveau de la technologie, Lulu, voilà, dans le Lulu, voilà. C'est pas possible, technologiquement, c'est pas possible. Alors, douille ou pas douille, moi je suis à un 3 sur 5. Alors, je sais ce qu'il va me dire, ouais, mais pourquoi t'as pas pris directement, il met type C, il met type C. Je te vois, avec ton accent de con là. Bon, promo. C'est pas fait, ça va bien se passer. Parce que je suis comme tout le monde. J'ai vu la promo sur Internet. Moi, je me suis fait flouer par le vendeur qui n'a mis bien évidemment que la prise USB type C en avant. Et je me suis dit, waouh, c'était l'affaire du siècle. En plus, ça peut prendre 120 watts. Même si je savais que ça allait être moins avec la prise USB A, la promo, le câble était joli. J'ai commandé. Et comme tout le monde, je commande avec l'excitation. Je l'attends comme un petit puceau devant la boîte aux lettres. Comme ça. Oh là là, il arrive. Je l'ouvre. Je suis trop content. Je le branche et me rends compte que ça marche pas aussi bien que je voulais. Et je suis déçu. Voilà. Comme un petit puceau devant la boîte aux lettres. Non, mais un puceau qui va au bal. C'est différent. Donc, on est tous un peu pareil. Après, il est chez René, c'est le vendeur. Il n'existe pas de C tout C. USB type C, USB type C. Il y a un USB type C avec un 3 en 1 au bout dans lequel il y a une prise USB type C, une prise Lightning et une prise micro USB. Ouais, mais ça n'y a plus les câbles. Alors Lightning, moi, est-ce que moi j'ai encore un 14 Pro Max, j'ai encore besoin du Lightning, ma souris a encore besoin d'un Lightning et mon clavier Apple a encore besoin d'un câble Lightning. Ok. Ensuite, USB type C, non, micro USB, mon Bose, mon casque Bose QC35-2, incroyable qu'il soit, est encore en connectique micro USB. Donc quand je le recharge, j'ai besoin d'une prise que je ne trouve jamais. Alors moi, je check de trucs. Donc il existe bien un câble chez eux qui fait les 3 en 1, qui ferait C tout C. Est-ce qu'il pourrait enquiller 80-90 watts? Vous me direz ça en commentaire, soit si vous l'avez acheté, soit si vous voulez que je le commande et que je le teste aussi, et que moi aussi j'attends le produit pendant un mois. Non, je déconne, moi je suis en Asie, ça va beaucoup vite. Mais voilà, vous l'attendez pendant un mois. Il arrive et puis voilà. Ah, quel excitant. Ah, mon colis est arrivé. Ah, je l'ouvre. Oh, ça marche pas comme tu voudrais. Allez, comme toujours, tu mets un commentaire en de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce câble. Quel est pour toi ton niveau de satisfaction? Moi, je mets 3 sur 5. Le câble, ils ont pas menti, c'est juste moi qui ai lu trop vite. Mais tu m'as dit, on peut pas faire 120 watts. Donc, ils ont un peu menti quand même. Bon, tu mets ton niveau de satisfaction en commentaire, comme tous les pouces sont permis. T'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui bois. T'oublie pas de t'abonner en cliquant là-bas sur mon logo. Je te rappelle, c'est une vidéo tous les jours au mois d'août, puis 5 vidéos par semaine où on teste des produits. J'ai plein de trucs. Plus je vais sur AliExpress, plus ils me proposent des trucs, des promos, des offres et tout. Je fais que d'acheter là. Je peux tenir jusqu'à Noël. Plus les produits exclusifs Chine qui vont arriver, je ne te spoil pas. Puisque plus t'as clic je suis, plus t'as clic je serai. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous demain sur GLG Vidéo, la Marabout Corp. Douille ou pas douille, ici, on s'en bat pas les...